Yeah. Salut les gars, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez déjà tous reconnu la marque. C'est un très gros carton, donc ça promet. Allez, il y a là, il y a déjà les petites sécurités à ouvrir. On va voir ce qui se cache dedans. Est-ce qu'on a des indices déjà? On sait juste que c'est un Canyon, rien de plus. Alors, attention, révélation. Je l'ouvre avec vous. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, on a des petits cartons pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Une jolie boîte. Alors, on a des outils. Et là, on passe à la chose sérieuse. Le vélo, il est là. C'est parti. Hop. Hop. Le vélo, la roue avant. Et on a tout. Il est là. C'est donc un vélo électrique, le Spectral On CFR, le VTT électrique très light de chez Canyon. Bon, bah, on va monter tout ça. Hein. Hop. Voilà. Avec la petite mallette Topic qui est d'ailleurs est vraiment top top top. Je remercie Topic qui me l'a envoyé. Là-dedans, il y a tous les outils dont j'ai besoin. Bon, je finis de l'assembler et après je vous parle de tout ça en détail. À tout à l'heure. Il y a plein de franchissements, plein de trucs un peu trialisants, ça va être trop cool. Le vélo, il est super light, franchement, il réagit bien, donc je pense qu'on peut s'amuser. Là, ça pourrait être énorme. En mode extrême enduro. Je vais essayer de monter sur la roue arrière, sur l'arête et repiquer comme les motos. Oh yeah! Youp! Il fait que 22 kg ce vélo, il est vraiment léger, c'est ça qui est bien, vraiment, c'est celui-là que je voulais. 22 kg, c'est presque 3 kg de moins que mon ancien enduro électrique. Donc normalement, tout ce qui est franchissement et tout, c'est beaucoup plus réactif. Yes! Ah, c'est comme un enduro, tu sens même pas que c'est un électrique ce vélo, c'est une folie. Une dinguerie ce vélo. On va essayer d'aller un peu plus haut. C'est un chemin qui est en godille et tout, très technique. Je vais essayer de me servir de ce vélo comme une moto trial un petit peu pour aller faire des gros franchissements. Normalement, c'est une piste qu'on fait en descente. Mais là, c'est tellement raide, je vais essayer de la faire remonter. Alors. Allez. Oh, à droite, là, il y a des belles racines. On a une belle section, là. Hop, hop. Hop. Ça grimpe, ça grimpe. Yes. Vas-y, plein gaz. Plein gaz ici. Ah, c'est... Ouais! Ça passe... Oh là là! Alors là, impossible! Si ça passe ici, c'est une tuerie! Allez! Ça burn, putain! Hop! Ouais, ça passe! Allez, go! C'est là! Ah oui! Ah, yes! Allez! Ou oh, alors là! Toujours plus raide! Aïe, ça pique! Ah! Je suis quand même arrivé assez loin. Donc ce modèle, c'est le Canyon Spectral On CFR. Donc le modèle CFR, ça veut dire que tu as les suspensions Fox Factory avec le revêtement Kashima. Là, c'est un mulet, donc ça veut dire que tu as la roue avant, c'est du 29 pouces et l'arrière, c'est du 27,5. Ça fait que tu as un vélo qui est beaucoup plus joueur dans les virages. Moi, je préfère comparer à l'ancien vélo que j'avais qui était full 29. Ici, c'est beaucoup plus joueur, c'est vraiment cool. Jante carbone, ça, c'est vraiment une bonne option, surtout sur les vélos électriques qui sont un peu lourds. Les roues ont tendance à tordre un peu. Les roues carbone sont beaucoup plus rigides et ça se sent direct quand tu pédales, ça pousse bien. Et là, le bouton power, il est là, d'ailleurs sur le dessus. T'appuies là, hop, ça s'allume. Marrant, c'est là, au moins c'est bien discret, c'est compact. Et franchement, il est magnifique, full black comme ça avec les composants factory dorés. Il n'y a rien à dire, moi j'adore full black comme ça. Vous, vous en pensez quoi? Dites-le moi déjà dans les commentaires. Et on repart un peu le tester parce que forcément, nouveau vélo, t'as tout de suite envie de rouler. Donc ça, c'est très cool. Bon, après le street, on passe au naturel. Il y a un petit bike park qui est juste derrière. Du coup, suivez-moi. On va tester ça. Premier sentier, il est là. Bah, let's go. Allez, direct. Yes. Oh, ça slide. Woohoo!
ça part en cross-country. River! C'est bon ça. Alors là ça continue et on arrive sur des pentes bien raides. Je vais pouvoir tester un petit peu le vélo sur du raide maintenant, on va tester les freins, tester l'accroche, le feeling. Donc bah écoute, ça continue un peu plus doucement cette fois-ci, mais on va contrôler. En plus il y a un peu de boue. Hey, ça slide. J'ai un petit scopie là, tiens. Deuxième virage un peu chaud là. Celui-là encore plus dur. Il y a deux épingles. Il faudra faire déjà celle-là. Celle-là en premier. J'essaierai de faire un stoppie. Et la deuxième. J'en ai même trois d'ailleurs. Voilà. Si j'arrive en bas en vie, c'est que le vélo il est bien. Allez, let's go. Baisse la selle au max. Alors, tout doux, tout doux, tout doux. C'est le petit stoppie là. Oh. En stoppie. Stoppie. Stoppie encore. Yes. Gagné. Ça c'est validé. Fin de ride, c'était énorme. C'est le Spectral On CFR de chez Canyon. Pense à liker, à t'abonner. Ciao les gars.